les Français ne se comparent pas forcément à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une explosion des inégalités aux États-Unis. Les Français ne vont pas se dire « Ah, c'est vraiment beaucoup mieux en France qu'aux États-Unis ». Les gens se comparent par rapport à leur situation, à leur vécu, peut-être il y a quelques années, par rapport à ce que vivaient leurs parents. Et ce qu'on observe en France, c'est malgré tout une hausse de ces inégalités. C'est aussi une hausse de son sentiment d'injustice fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans cette situation totalement paradoxale. Vous avez le café du coin de la rue qui paye moins d'impôts que Starbucks. Vous avez le libraire de votre quartier qui paye moins d'impôts qu'Amazon. Vous avez la presse... Plus d'impôts, excusez-moi, oui. Paye plus d'impôts que les multinationales. Le café du coin que Starbucks. Le café du coin paye plus d'impôts que Starbucks. Le libraire paye plus d'impôts qu'Amazon. La presse quotidienne régionale ou nationale paye plus d'impôts que Facebook, qui pourtant utilise les contenus et la production de cette presse pour faire des revenus. Pour faire du chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est des situations d'injustice fiscale qui sont flagrantes. Et dans ce contexte-là, vous avez une programmation fiscale et budgétaire en 2018 et 2019, programmée par le gouvernement, qui consiste essentiellement à nous dire si on ne continue pas à faire encore plus de cadeaux fiscaux pour les gagnants de la mondialisation, alors on ne pourra pas créer de l'emploi. Et on ne pourra pas avoir une économie prospère. Donc il faut continuer à réduire les taux de taxation des plus riches pour faire de la croissance. Et là, vous avez les classes moyennes et les classes populaires qui, elles, doivent continuer à payer de l'impôt pour financer les services publics, pour financer les routes, pour financer l'éducation, la santé, qui par ailleurs sont nécessaires pour qu'il y ait une bonne activité économique, etc. Qui disent, mais nous, au bout d'un moment, ça commence à faire trop.